Il y a un conseil qui est important pour mettre en application pour une bonne lecture de la Bible, c'est d'abord commencer par la prière. Et c'est conseil ça même que nous parlons jeudi dans quatre vidéos pour une bonne lecture de la Bible. C'est commencer par la prière. Mon nom c'est Adorateur Bertin Dormilmor et merci infiniment pour ce que ou avec nous sous Chanel ça pour nous capables de faire route ça ensemble. Ou même qui là pour première fois qui peut abonner, n'a invité pour capable faire ça. Et si que ou remet travail que n'a fait, ou voulez encourager nous, quittez un petit pouce en l'air et puis commentez et invitez un autre monde pour capable découvrir Chanel ça. Conseil pour une bonne lecture de la Bible. Donc si vous pouvez regarder l'autre vidéo, nous encourager ou capable faire ça, ou joindre le lien l'autre vidéo en description. Donc première vidéo a nous présenté 10 conseils pour une bonne lecture de la Bible. Nous t'ai présenté en grosso modo les 10 conseils. Donc dans deuxième vidéo que nous t'ai présenté, nous t'ai détaillé premier conseil là. Premier conseil là qui c'était avoir une bonne disposition et nous t'ai ouais qui genre ça capable fait pour gagner en bonne disposition. Donc nous encourager à garder l'autre vidéo si là. Maintenant troisième vidéo dans série ça, c'est troisième conseil que nous non pas troisième conseil, c'est troisième vidéo mais c'est deuxième conseil. Dans première vidéo, on t'a présenté tout conseil de manière générale. Dans deuxième vidéo, on t'a présenté en détail premier conseil là. Maintenant c'est troisième vidéo mais pour le deuxième conseil. Deuxième conseil là, c'est commencer par la prière. Priez avant toute chose. Et pour qui ça est important avant même que moi lis la Bible pour moi capable prier. Pour qui ça est important. Prier avant toute chose. Avant moi, je lis la Bible pour me prier pour que ça soit important. D'abord, c'est important parce que la Bible, c'est un livre particulier. Un livre spécial. Un livre qui part comme tous les autres. Et c'est important pour moi de prier parce que la Bible, c'est un livre inspiré de Dieu. La Bible, c'est un livre inspiré de Dieu. Donc, l'homme commence par la prière, moi, invité bon Dieu, qui c'est auteur livre ça. Moi, invité bon Dieu, qui c'est auteur livre ça, pour expliquer livre ça que lui-même l'a inspiré, que lui-même l'a écrit. Donc, autant de fois que vous prenez la Bible, ou la Bible comme un livre d'histoire, ou la Bible comme un journal, la difficile pour capable prendre décision ça pour commencer par la prière. Faut regarder dans la Bible un livre particulier et puisque moi pas lire livre ça qui gagne des choses extraordinaires à l'intérieur de lui-même pour me river comprendre ça qui est en dedans, faut que moi à côté monde qui t'a écrit livre là, monde qui t'a inspiré livre là, monde qui c'est auteur livre là pour demander ou expliquer qui ça lui-même l'a écrit en dedans livre ça. Donc, c'est ça qui fait extrêmement important pour moi commencer par la prière. Et l'homme commencer par la prière, c'est auteur livre là, la Bible, que moi demander en personne pour lui capable arriver expliquer. Je pense que quelqu'un qui regarde des vidéos ça qui fait expérience là, qui a des textes que leur fin de texte là, même si vous comprenez le mot, intellectuellement, ou quand ça a son verbe, ça a son adjectif, ça a son phrase simple, ça a son phrase composée, etc., etc., ou quand les signes de ponctuation, ou comprendre tout détail grammatical qui est capable de gagner dans le texte là. Mais ou style n'est pas comprendre ça, texte là avait dit. Ou style pas capable de briver, saisir qui vérité qu'il y a dedans le texte là. Maintenant, l'oral dans la prière, ou à côté le Seigneur, et le Saint-Esprit vini l'éclairer,
il dit oh, voici, 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 et toute voile qui était devant ou dans le texte là, il est tout net, il est tombé. À ce sujet, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est Jean chapitre 14, le 26e verset. Jean chapitre 14, le 26e verset, nous dit que « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean chapitre 14, le 26e verset. Je reprends le texte. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera. J'aime bien ce verbe, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc c'est la parole de Jésus à ses disciples. Donc dans le dernier petit temps que Jésus t'a passé avec les disciples, il t'a enseigné de la sorte. Il t'a dit, oh, libre aller la voie et consolateur, le Saint-Esprit. Et là que le Saint-Esprit lui-même lui vini, l'a conduit dans toute vérité. Et ce que j'aime dans le texte, c'est il vous enseignera. Donc, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant, c'est un professeur. Donc, quand tu lis la Bible, tu n'arrives pas à comprendre ce que dit le texte. Il faut aller du côté de l'enseignant. Il faut appeler l'enseignant. Faut font toc, 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 dans le pot enseignant pour demander enseignant pour l'aider à comprendre. En tant qu'élève de Jésus, en tant que disciple de Jésus, discipulos, discipuli, qui veut dire élève. En tant qu'élève, le gain de notion qui dépasse ou que vous pas arrivé à comprendre notion, hein? Qui ça vous fait? Donc, vous checkez professeur, parce que professeur, c'est lui qui a enseigné matière là. Donc, c'est vrai, il pas posséder un professeur sur terre, il pas posséder la totalité du savoir, il pas gain la science infuse. Mais en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, quand tu lis la Bible et que tu n'arrives pas à comprendre, checker professeur Saint-Esprit. Checker professeur Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Non, Jean chapitre 14, 26e verset. Il dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, toute chose là. Je ne vais pas rentrer là, je vous dis, parce que ça va faire, ce n'est pas dans ça nous dans la vidéo, je vous dis. Mais si nous rentrons dans toute chose là, nous avons dit, l'autre bagaille, nous avons dit, le Saint-Esprit vous enseignera toute chose. Donc, le Saint-Esprit, c'est un professeur, c'est un enseignant. Donc, peut-être que, en plus, il faut rappeler la Bible, ou tu arrives dans une étape grand bagaille que ou pas arrivé à comprendre, le bagaille qui était comme un mystère, etc. Ou par contre, ça vous fait. Des fois, on consulte des dictionnaires bibliques, ou consulte sa commentateur, ou consulte en plus l'autre bagaille. Mais ou pas jamais arrivé à comprendre, ou pas jamais arrivé à percer qui ça, texte ça, il dit. Mais je dis, ya, n'a pas dit, à le côté professeur Saint-Esprit. C'est pour raison ça qui fait l'important. Commencez par la prière. Invite le Saint-Esprit. Invite le professeur à venir t'enseigner. Invitez le professeur Saint-Esprit qui sait exactement où qu'on est. Je dis, dans le texte que vous appelez, dans la parole que vous appelez. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous invitez à faire expérience ça. Ou à saisir comme un professeur Saint-Esprit a enseigné ou et le bail qui était un mystère pour le bail qu'on pas jamais arrivé comprendre professeur Saint-Esprit a permettre que ou comprenne une fois que commencer par la prière pour inviter professeur Saint-Esprit pour enseigner.
Je suis content pour me développer le deuxième conseil là avec vous. Dans la vidéo, ça, lorsque vous lisez la Bible, commencez par la prière. Invite le professeur Saint-Esprit. Et là, un, c'est Néo. À nous terminer, vidéo ça par la prière. Oh Seigneur, nous bénissons. Merci pour ce que tu nous enseignes. Merci pour ce que le Saint-Esprit est là pour révéler nous des choses extraordinaires. Seigneur, nous demandons pardon pour une pile fois que nous parlons côté professeur ça, qui est disponible pour nous. Et désormais, aidez-nous pour nous toujours prêts pour nous à le côté professeur Saint-Esprit pour enseigner nous. Oh Saint-Esprit, enseignez chaque monde qui t'a regardé cette vidéo ça et aidez-nous pour nous connaître que nous gagnons comme professeur. Merci Seigneur pour cette vérité. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup parce que vous avez regardé cette vidéo ça. Merci parce que vous partagez avec des amis, avec frères, avec sœurs, avec entourage. Et merci parce que vous avez invité l'autre monde pour venir rejoindre nous sur channel ça pour nous faire route ça ensemble. Moi vraiment reconnaissant envers chaque monde qui a permis que channel ça les grandit de jour en jour. Mon nom c'est Adorateur Bertin d'Orvilmar. Ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. À très bientôt pour le troisième conseil.